Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Bienvenue, bonjour Aristorinque. Bienvenue à celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne depuis hier. J'ai nommé Jacqueline M et Pile Hervé. Et bonjour à vous qui vous êtes levés tôt ce lundi matin pour venir regarder ce live du matin tôt le matin avec moi. Nous sommes le 3 octobre, c'est lundi, il est 7h41 maintenant. On va attaquer cette journée avec de l'actualité et des vidéos mignonnes comme tous les matins. Et comme un lundi matin après 4 mois de vacances. Ah ouais, t'as 4 mois de vacances? Sympa. T'as fait quoi pendant tes vacances? Pendant 4 mois? J'espère au moins t'es parti en voyage. Lundi matin de reprise de travail. Ouais, de 4 mois de vacances, elle va être violente la reprise. Waouh. 4 mois, ça fait juin, juillet, août, septembre, c'est ça, hein? Depuis début juin, t'es en vacances? Wow. Mais attends, t'es dans quel domaine? Je dirais dans le secteur universitaire. Quatre mois de vacances, quoi. Violent. Jamais vu ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le Discord de la commu? Vous avez publié des trucs. Ouais, il y a plein de trucs qui sont arrivés. Ah, il y a plein de trucs qui sont arrivés. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par quoi? On va commencer par une vidéo mignonne pour se mettre en jambes un peu. Bon, puis il y en a quelques-unes là, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Oh. Pas celle-là. En fait, celle-là, faut que je la garde là. C'est celle-là. Voilà. Salut, Placoraban. Placora. J'ai déjà rigolé, c'est ça. Salut, c'est DNT+, pour matin. Ça va. Ce matin, ça va. Vous avez bien dormi. Oh! Pas vu le début. En train de manger. Tiens, je vois que j'ai des trucs. Il y a des gens, alors que je leur ai dit qu'il fallait pas me contacter sur Twitter, ils me contactent quand même sur Twitter. Ah non, c'est normal. On va peut-être arrêter maintenant, hein? Ça fait beaucoup de oh yeah. Moi, je suis en train de vider un peu mon compte Twitter. Voilà. C'est bon, j'ai fait le tour. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Regardez l'actualité. On reprend l'actualité. Ça sert à rien ce que je fais là. Tiki-tiki-tiki. Hier, on s'était arrêté à EDF, l'histoire d'une débâcle française. On a lu l'article, on a fait le tour un peu de tout ça. Oui, sur la vidéo d'hier, le début, je crois que j'aurais pas le son de toute façon, même sur la vidéo d'aujourd'hui. Faut voir s'il me strike encore, mais sinon, il y a le reste du son, il y a juste les 6 premières minutes de générique où il n'y a pas le son. Parce que je sais pas pourquoi il strike, je crois que c'est la musique open source, mais strike quand même.
Prigogine a, dès ce matin, salué la prise de pouvoir de Capitaine Traoré dans un communiqué repris par des présumés faucons du projet LACTA au Burkina Faso. Depuis plusieurs semaines, ses comptes ciblés, particulièrement le colonel Damiba, peu enclin à solliciter le groupe Wagner. Alors, j'ai... Du coup, j'avais vu passer et je crois que ouais, j'avais retweeté aussi... J'avais retweeté... Enfin, j'avais pas retweeté, mais j'avais... Ouais, voilà. J'ai... je l'ai partagé aussi. Donc, on est en janvier, un coup d'état de Damiba avait déjà été particulièrement bien accueilli par l'homme d'affaires qui saluait l'entrée dans le temps de des colonels. La chaîne Telegram Arribar, affiliée à l'ACTA, ne laisse pas de doute quant aux intentions de Wagner au Burkina. Quelle que soit la personne au pouvoir à Ouagadougou, il est peu probable qu'elle puisse vaincre le terrorisme seule. Il se passe des choses au Burkina Faso, on va y revenir. On va y revenir parce qu'il y a d'autres fils qui ont été publiés depuis hier sur le Discord de la commune. Pour le Discord, je l'ai mis en bio. Link in the bio. Les tensions entre Fama et Wagner sont régulières. Les mercenaires russes donnent des ordres aux soldats maliens alors qu'ils n'ont pas la légitimité hiérarchique en tant qu'instructeurs supplétifs. Mais première fois que ces désaccords tuent. J'espère que... On va regarder ça. C'est... Si j'ai les... Je sais pas si j'ai... Ah, j'ai pas accès à cet article. Dommage. Ça aurait été intéressant. Si vous y avez accès, je vous invite à m'envoyer l'article. En attendant, on va revenir en France. On va revenir sur l'actualité au Burkina Faso dans quelques instants. Mais avant, on va revenir en France avec une autre actualité. Alors, on va revenir avant de revenir en France avec une autre actualité. On va revenir dans le monde merveilleux des petits lapins. Ouais, petit lapin qui mange une framboise. Avec des bruits trop bien. Ah oui, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Je me suis rendu compte que vous entendiez pas très bien le son. Ah, c'est mieux là ? Il faut que je passe ça aussi. Ah mais non, je suis con. Et moi, je vous montre des trucs et je vous fais... et vous me dites rien en plus. Oh là là, franchement. Des moments, faudrait me dire aussi, genre, hé, hey, mais tu montres rien là, Florie. Oh, c'est trop triste. Je vous ai montré des trucs que vous avez pas vus. Faut me prévenir là, dans ces cas-là. Attendez, je vais remontrer. Pourquoi est-ce qu'il me fait... Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Non, mais sérieux, quoi. Et vous êtes pas réveillés ou quoi ? Vous suivez que d'elle, là ? C'est quoi, ce délire ? Ah, bah oui, je vais remontrer. Évidemment que je vais remontrer. Petit lapin. C'est un petit lapin qui mange une framboise. C'est trop mignon, non ? Et puis, un putois qui grignote ses feuilles de salade. On va remettre ça aussi. C'est important. C'est les choses importantes du matin. Ça, c'est les choses les plus importantes. Voilà. Oh. Attends, je vais baisser ça. Est-ce que ça va au niveau du son ? Voilà. Trop mignon le petit putois. Trop mangé. Là là. Voilà. On est d'accord, c'est trop mignon. Donc, revenons sur les actualités du matin.
Donc, ce que je voulais montrer ce matin, c'était donc retour en France. Le ministère de l'économie se voit refuser accès aux transactions bancaires des Français. Pardon pour le bâillement. Un article de Raphaël Grabli qui a été publié le 30 septembre à 11h52 et qui parle de, du ministère de l'économie qui s'est fait refuser. Vous avez compris. Bercy souhaitait mettre la main sur les opérations répertoriées par les banques avant de recevoir un avis défavorable de la direction interministérielle du numérique. Et c'est bien fait pour leur gueule. C'est une demande aussi large que surprenante qui a été faite en septembre 2021 par le ministère de l'économie et des finances, relève le site spécialisé Next Impact, dans une lettre accessible publiquement, mais dont aucune promotion n'avait été faite. La direction interministérielle du numérique, la DINUM, retoque la volonté de Bercy de collecter en temps réel l'ensemble des opérations bancaires des Français. Le document évoque une demande faite le 15 septembre 2021 dans le cadre de la modernisation du fichier des comptes bancaires, FICOBA, créé en 1971, il liste les noms associés à tous les comptes bancaires hébergés par des banques françaises, mais également depuis 2020, les noms associés au coffre-fort. Ce fichier, accessible à l'administration fiscale, à la sécurité sociale ou encore à la justice, vise notamment à lutter contre la fraude et l'ensemble des activités illégales. Nombre de transactions. Mais pour Bercy, les noms des détenteurs de comptes ne suffisent plus. Selon le document de la DINUM, le ministère a en effet souhaité intégrer l'ensemble des opérations effectuées sur les comptes bancaires, pour les particuliers comme pour les entreprises. Pour la direction interministérielle du numérique, une telle évolution constituerait un changement aussi massif que périlleux. Nadibou Anna, alors à la tête de la direction, a émis un avis défavorable, retoquant l'idée en mentionnant des finalités trop floues. Les cas d'usage de ces soldes et de ces opérations ne sont pas détaillés et leur conformité avec le cadre juridique actuel ne me paraissent pas suffisamment solides, juge Nadibou Anna dans son courrier. D'autres arguments défavorables sont avancés, à commencer par l'inexistence de tout débat parlementaire à ce sujet ou de consultation de la CNIL au sujet du traitement de cette montagne de données sensibles. Des informations pourtant largement accessibles en cumulant l'ensemble des requêtes des services pouvant accéder au FICOBA, Next Impact rappelle qu'il a été consulté à 40 millions de reprises en 2020. Salut Colette, comment vas-tu? Tu as bien dormi? Bonjour, bon matin. Auprès de Tech & Co, la Direction Générale des Finances Publiques, DGFiP, a dans un premier temps assuré que le projet n'était pour l'heure plus à l'ordre du jour. Il va de soi que toutes les consultations juridiques nécessaires seront préalablement menées avant une éventuelle évolution du cadre légal, qui ferait lui-même par définition l'objet d'un débat public au moment de la discussion de la loi, préciser l'administration. Douloureusement, c'est dur le matin, ouais, on va se réveiller tout doucement. Dans un second temps, la DGFiP a précisé que la demande effectuée ne concerne que l'ajout du solde de l'ensemble des comptes, ainsi que le nombre d'opérations mensuelles pour chaque compte, mais pas comme le suggère pourtant la DINUM, la liste exhaustive des opérations. Avec un objectif, mieux détecter les comptes actifs pour mieux lutter contre la fraude. Donc ils se sont fait retoquer. Et c'est bien fait, comme je le disais, c'est très bien fait. Alors, on va où ? On va voir un panda. Allons voir un panda proposé par Alex Scott. Les deux vidéos d'avant, c'était à elle. Elle nous montre toujours des vidéos très mignonnes. Là, c'est Alex. Oh, j'ai vu plein de vidéos hier, c'était trop bien. Le jour où ils se préoccuperont des fraudes de leur propre service, on réfléchira à la question. Oh, il est tombé. Un petit problème de coordination quand même là. Alors, autre actualité qui fait l'actualité en ce moment. J'espère que vous avez rattrapé votre retard. On va parler de les anneaux de pouvoir. Pourquoi pas? C'est quoi un morion d'or dans les anneaux de pouvoir? Rien à voir avec le monde d'or. La série des anneaux de pouvoir explore les tréfonds de l'histoire de la Terre du Milieu en se penchant sur un personnage en particulier, Adar. Les elfes, les orques, les nains et les humains et les hobbits. Les peuples en Terre du Milieu sont nombreux, sans parler des diverses branches qui peuvent exister. On a chez les elfes de nombreuses divisions, entre ceux qui alertent en Aman, là où on trouve Valinor, et ceux qui refusèrent, mais aussi ceux d'entre eux qui virent la lumière des arbres sacrés, Telperion et Laureline, et les autres.
La série Les Anneaux de Pouvoir, dont le sixième épisode Udun est sorti le 30 septembre sur Prime Video, n'avait jusqu'à présent pas évoqué les subtilités, en tout cas de manière évidente. Il n'y a pas de spoil, hein, c'est juste, on parle juste d'une race d'elfes, Moriondor, je crois. Même si on entendait parfois des mots-clés comme Noldor ou Uruk, mais cette fois, c'est un autre terme qui interpelle, celui de Moriondor, que prononce Galadriel. C'est quoi un Moriondor ? Elle est belle ! Ce terme est prononcé lors de la captivité d'Adar par les cavaliers de Numenor dans une grange. Galadriel n'ignore pas qu'Adar partage son essence, c'est aussi un elfe, et elle sait qu'il était le chef des orques qui a attaqué un village. Elle devine qu'il n'est qu'un lieutenant de Sauron et qu'il connaît probablement une partie de son plan et de son emplacement. Bon, en fait, s'il y a du spoil. Ouais, je vais peut-être pas le raconter du coup. Moriondor est un terme qui nous est étranger et dont on trouve pas de traces manifestes dans l'œuvre de Tolkien. Cependant, la série du Seigneur des Anneaux associe ce terme aux premiers orques, qui sont une version dérivée et corrompue des elfes, si l'on s'en tient ce qui s'est dit dans le Silmarillion, car il y a un débat sur l'origine de la nature des orques. L'origine et la nature. Si l'hypothèse elfique prime, on sait que Morgoth, le nom maléfique de Melkor, le maître de Sauron, était incapable de créer lui-même. Sa faculté résidait dans son influence, il corrompt et torture les créatures, c'est ce qu'il a fait avec des elfes, devenus des orques. Cette génération d'elfes affectés par Morgoth serait donc, d'après la série, des Moriondor. Or, J.R.R. Tolkien a écrit sur ces elfes corrompus. On les rattache à la branche elfique des Avari. Il constitue un groupe qui a rejeté l'appel des Valar à faire voile vers Aman pour rejoindre les dieux en Valinor. D'ailleurs, Avari veut dire ceux du refus dans une langue elfique, Kenya. Note l'encyclopédie en ligne Tolkiendil. De fait, les Avari ne sont pas des mauvais elfes, encore que du point de vue de ceux qui sont partis, l'impression laissée est nécessairement défavorable. Ils sont des elfes qui n'ont pas vu la lumière des deux arbres, et sont donc aussi arrangés dans la catégorie des Morikendi. Ces elfes sont restés en terre du milieu. Il est dit que c'est au sein de ces Avari que Morgoth a puisé pour façonner son arme d'orque. Ceux qui ont cédé seraient donc des Moriondor. Peut-être s'agit-il là d'une version intermédiaire d'elfe corrompu avec une dégradation physique qui n'est pas encore à un stade avancé. En tout cas, Adar ressemble plus à un elfe qu'à un orque, même s'il semble déjà différent. Quel âge a Adar ? Se pose alors une question, quel âge a Adar ? S'il est un Moriondor, ça veut dire qu'il est un Avari. L'existence de ce peuple remonte avant le premier âge, la série se passe durant le deuxième. À une époque appelée l'âge des arbres, on sait que les elfes sont immortels, au sens où ils ne peuvent pas mourir de vieillesse. On peut penser qu'Adar a déjà des milliers d'années au compteur, les orques ont commencé à exister par le fait de Morgoth. Avant le début du premier âge, on en trouvait déjà à cette période. Cela tend à suggérer qu'Adar, et s'il est un proto-orc, puisqu'il est un Moriondor, est plus vieux que Galadriel. Peut-être plus vieux que n'importe quel personnage croisé dans la série, y compris les elfes Gil-galad ou Elrond. Les Moriondor ont peut-être été générés sur des générations d'Avari. Rien ne dit qu'Adar fait partie des tout premiers capturés, mais on peut aussi envisager qu'il a vécu à l'époque du père de Galadriel, Finarfin, voire de son grand-père, Finwë. Peut-être a-t-il vécu des batailles comme celle sous les étoiles d'Agor Nuin-Gilliath ou celle de Beleriand, qui impliquait déjà des orques. Adar, le proto-orc, est donc une créature extrêmement ancienne, un elfe qui a été corrompu. Toi aussi, t'as été corrompu, chaton. Tu viens ? Tu dis bonjour ? T'as dit bonjour déjà ? C'est ça ? Ouais. Viens là, allez. Oh oui, t'es trop mignon, chaton. Ah mais c'est l'heure du thé, en fait. C'est pour ça, il vient là. Il dit, ah, faut que tu boives ton thé, Florie. C'est ça que tu dis ? Tu fais un câlin ? Oh, tu fais des câlins ? Oh, bah oui. Cela offre des occasions. Alors, cette perspective est une ah, est fascinante en ce qu'elle ouvre des nouvelles possibilités pour le récit et peut-être aussi des flashbacks. Cela offre des occasions uniques comme la guerre de la Grande Colère, qui était une alliance absolue pour terrasser Morgoth à la fin du premier âge. Salut, Roscoe. Voilà, bon, on a parlé du Seigneur des Anneaux un peu. Revenons à nos moutons. Ah oui, on m'a envoyé ça, c'est un compte Instagram trop mignon, avec des pandarous, que j'ai mis, donc c'est mon message de 18h59 sur le Discord, si vous voulez. Et c'est trop mignon, il y a plein de petits pandarous, c'est trop chaud.
Oh, regarde les pandas roux, loulou. Regarde, c'est des copains. Oh, petit chat. Trop mignon, hein. Ils sont trop mignons. Regarde celui-là qui joue là. Attends, c'est une vidéo. Regarde, c'est une vidéo. Ah, on va peut-être couper le son, sinon je vais me faire strike encore. Trop mignon. Trop mignon. Ah, oui, toi aussi, t'es trop mignon. Oh, bah là, oui, d'accord, ok. S'allonger. C'est fini. C'est la fin de la journée pour le chat. Enfin, la fin de la nuit. Ok. Voilà. Des petits pandarous trop mignons. Trop mimi. Ça fait du bien hein, de regarder des trucs mignons. Va faire comme lui, on va retourner se coucher, hein. Trop mignon. Ça fait beaucoup de mignons. On est d'accord que c'est mignon, valide. La suite des actualités du matin, c'est c'est ça que j'ai pas du tout lu. Ah non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça, le Mondial Club 2022, States adopt historic declaration for culture. Un an, alors peut-être qu'ils l'ont en français. Ils l'ont en français. Les États adoptent une déclaration historique pour la culture. On pourrait, bonjour petit dragon vert de rage. On pourrait le lire en anglais, mais on va le lire en français parce qu'on est entre français ici aujourd'hui. 150 États ont adopté vendredi à l'unanimité une déclaration ambitieuse pour la culture au terme d'une conférence de 3 jours convoquée par l'UNESCO. On est sur un communiqué de presse du 30 septembre. C'est tout récent. Le texte affirme la culture comme étant un bien public. Alors attendez, je vais rapprocher le micro, désolé. Hop, pardon pour les bruits. Le texte affirme la culture comme étant un bien public mondial. Les États se sont accordés sur une feuille de route commune pour renforcer les politiques publiques dans ce domaine. Plus grande conférence mondiale consacrée à la culture de ces 40 dernières années, Mondial Culte 2022 a réuni pendant 3 jours à Mexico près de 2600 participants. 150 États ont répondu à l'invitation de l'UNESCO et du Mexique en envoyant des délégations. 135 d'entre eux étaient représentés au plus haut niveau par leur ministre de la Culture. Je salue la déclaration de Mondial Cul 2022 organisée par l'UNESCO et le Mexique, rendez-vous des voix du monde pour marquer une nouvelle ambition pour les politiques publiques culturelles. La culture érigée en bien commun, soutenue par une diplomatie culturelle renforcée, nous donne une boussole pour mieux investir et déployer son pouvoir transformateur à travers le monde dans un agenda commun. Dans cette déclaration, fruit de 10 mois de négociations multilatérales animées par l'UNESCO, les États affirment pour la première fois la culture comme étant un bien public mondial. À ce titre, les États appellent à intégrer la culture en tant qu'objectif spécifique à part entière, parmi les prochains objectifs de développement durable des Nations Unies. Le texte adopté par les États définit un ensemble de droits culturels qu'il convient de prendre en compte dans les politiques publiques, allant des droits sociaux et économiques des artistes à la liberté artistique, jusqu'aux droits des communautés autochtones à sauvegarder et à transmettre leurs connaissances ancestrales, et à la protection des promotions du patrimoine culturel et naturel. Il appelle également, c'est chaud parce que c'est chaud quand même. Il appelle également à une régulation substantielle du secteur numérique, en particulier des grandes plateformes, au bénéfice de la diversité culturelle en ligne, de la propriété intellectuelle des artistes et d'un accès équitable pour tous au contenu. C'est à double tranchant quand même cette histoire. Ça va être bien, mais c'est chaud quand même. Enfin, du coup, on va plutôt dans une licence globale. Il y a d'un côté le droit des communautés autochtones à sauvegarder, à transmettre leurs connaissances ancestrales et la protection et promotion du patrimoine culturel et naturel. Je sais pas pour vous, mais moi tout de suite j'ai pensé à la corrida et j'ai peur que il se base sur ça pour dire oui, il faut garder la corrida. Mais non les gars, non non, la corrida c'est pas vraiment un bien patrimonial. Enfin, c'est pas vraiment ça quoi. Par contre, là, on est plutôt sur une sorte de licence globale, du coup,
propriété intellectuelle, artiste, accès équitable pour tous au contenu. Donc un accès équitable, ça veut dire bah, adieu Spotify, adieu Deezer, adieu Netflix, et bonjour licence globale. Intensifier la lutte, parce qu'il ne faut pas faire payer les gens du coup. Intensifier la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Dans la déclaration, les gouvernements s'engagent par ailleurs à lutter plus intensément contre le trafic illicite de biens culturels avec une coopération internationale accrue dans ce domaine. Ils en appellent aux acteurs du marché de l'art afin qu'ils ne proposent pas à la vente des objets dont la provenance n'est pas avérée. Cet accent mis sur les biens à provenance non avérée invite à protéger les sites archéologiques encore vulnérables car non classés afin de prévenir les fouilles illégales et les pillages. La déclaration donne mandat à l'UNESCO pour proposer aux États des cadres normatifs qui permettent de répondre à ces défis. Dans ce même domaine, Audrey Azoulay a annoncé la création par l'UNESCO et Interpol d'un musée virtuel des biens culturels volés, et qu'il sera un outil éducatif et pédagogique pour que les citoyens puissent connaître l'histoire de ces œuvres et en même temps un outil de recherche pour les personnes ayant un doute à lever sur l'origine d'un bien. Il verra le jour d'ici 2025. Rendez-vous tous les 4 ans. Parmi les autres résultats du Mondia Culte figure la création à partir de 2025 d'un forum mondial sur les politiques culturelles qui sera organisé tous les 4 ans par l'UNESCO. Les débats seront nourris par un rapport mondial sur les politiques culturelles produit par l'organisation. La culture, un moteur de développement. Selon les données de l'UNESCO, le secteur culturel et créatif est l'un des moteurs de développement les plus puissants du monde. Il représente plus de 48 millions d'emplois dans le monde, dont près de la moitié sont occupés par des femmes, représentant 6,2% de tous les emplois existants et 3,1% du PIB mondial. C'est aussi le secteur qui emploie et offre des opportunités au plus grand nombre de jeunes de moins de 30 ans. Alors, Mondiaculte en chiffres, c'est 2600 participants, 135 ministres de la culture, 83 ONG, 32 organisations intergouvernementales et 9 agences des Nations Unies. Voilà. Voilà. Donc, merci Christelle Gilles pour cet article, c'est un communiqué de presse sur Mondiaculte pour nous avoir un peu permis de sortir un peu de notre actualité locale pour aller vers... l'actualité internationale et qu'est-ce que ça vous inspire en attendant de savoir ce que ça vous inspire. Je vous propose des loutres. Non, c'est des capybaras. Capybara. Alors, je sais pas si j'ai le droit de mettre la musique. Oh, petit. Voilà. JC Dubac nous a envoyé un tweet de Fabrice Eppelboin qui remet en contexte la sobriété énergétique avec la sobriété financière. Donc on a d'un côté le revenu fiscal par ménage médian en 2011. On voit très clairement se dessiner la rive droite, rive gauche, enfin, je sais pas trop comment on dit. On voit très clairement se dessiner l'Ouest parisien, qui est super riche. C'est les quartiers 16e, 15e, les quartiers richoux de Paris. Et puis le reste. Les restes. Hein, tu dis quoi? Ok. Le reste qui est beaucoup moins riche. Et oui. Et de l'autre côté, on a la consommation de gaz, d'électricité et de chauffage urbain des Parisiens. Donc on voit que si on met les deux images en perspective, c'est à peu près... Donc la morale de cette histoire, c'est que les amis... je pense que ceux qui doivent faire des efforts sur leur consommation énergétique, c'est d'abord les très riches, n'est-ce pas? Red the Bot qui a analysé le tweet. Voilà, c'est la gauche qui a retweeté. Beaucoup la gauche qui a retweeté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite vidéo, Mimi. Qui a été proposé par Alex Scott, donc les capybaras, c'était Farley. Encore Alex Scott qui nous propose des cerfs au lac d'Interlaken, en Suisse. On dirait des images artificielles tellement c'est beau.
C'est vrai. Trop mignon. L'eau, elle est tellement bleue. Tellement bleue. Autre actualité qui fait l'actualité de l'actualité de l'actualité de la semaine. Ça fait beaucoup d'actualité encore là. C'est qu'on se réveille, tout doucement. L'actualité qui fait l'actualité, c'est Xavier Bertrand qui lance un nouveau parti qui s'appelle Nous France, qui le promet jeune et rassembleur. Ouais! Le président de la région Hauts-de-France a lancé ce samedi son mouvement politique Nous France. Le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a lancé ce samedi son mouvement Nous France, résolument opposé à l'extrême droite, suscitant l'agacement d'Éric Ciotti qui a rallié sur Twitter cette énième démarche. Raillé, pas rallié, raillé. Près de 500 personnes, oulala, étaient réunies samedi après-midi dans le théâtre de Saint-Quentin, dans l'Aisne, pour écouter Xavier Bertrand promettre un mouvement moderne, jeune et rassembleur. En vrai, c'est beaucoup, hein, 500 personnes. Oui, j'ai toujours la même énergie et la même envie de porter mes idées, a lancé l'ancien ministre, éliminé de la présidentielle dès 2022, dès l'étape de la primaire des Républicains. Un rôle de transmission. Issu de son think tank La Manufacture, Nous France sera une force collective, c'est peut-être ce qui m'a fait défaut, a-t-il estimé. Sera-t-il lui-même candidat en 2027, 4 ans et demi avant? Bien sûr que non, a assuré des journalistes Xavier Bertrand, oui. Revendiquant un rôle de transmission pour faire émerger une nouvelle génération. Tu dis que Xavier Bertrand, ça t'intéresse pas? T'inquiète, juste après, on va parler du Parti Socialiste. Et? Et Loulou? T'es bien, là, comme ça? C'est ça que tu voulais? C'est pas ça que tu veux? Tu veux pas te mettre là, quand même, si? Faire émerger une nouvelle génération. Il y a une vidéo. Oh, il y a une vidéo. Oups là. Mais on a tous une petite idée de la personne qui pourrait porter ses couleurs, a lancé sous les applaudissements le président du conseil de l'Essonne, François Durovray. Wouhou. S'il reste des Républicains, avec Nous France, Xavier... S'il reste membre des Républicains, s'il reste des Républicains aussi d'ailleurs, avec Nous France, Xavier Bertrand compte parler à l'ensemble des Français, notamment aux classes moyennes qui seront une priorité, et travailler en dehors des rendez-vous électoraux. Bon, merci de prendre ce soir la parole sur BFM TV. Vous présidez, je le rappelle, la région Hauts-de-France et prenez la parole ce soir en direct de Lille au lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron. Parleriez-vous de main tendue ou d'ultimatum de la part du chef de l'État? Oui, votre expression est la bonne. Oui, c'est plutôt un ultimatum. Surtout qu'en plus, il a reçu les représentants des partis politiques qui lui ont donné leur position et il la connaît. Et en ce qui concerne les Républicains, elle est très claire. Pas de participation au gouvernement, pas de coalition, mais un vote sur les textes importants dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt justement des Français. Notre position est très claire. C'est un président affaibli, fragilisé, qui est à Bruxelles aujourd'hui? Bah oui, forcément. Oui, évidemment. Voilà. Évidemment. D'ailleurs, vous le voyez bien, que ce soit les enquêtes... On peut pas dire non, c'est un président fort. Discuter dans la rue avec les Français. Pas quand t'es des Républicains. Ils ont conscience qu'aujourd'hui, il a du mal à prendre la mesure. Qu'est-ce qui s'est passé ces deux derniers mois? À la présidentielle, au second tour, les Français ont dit « on ne veut pas du Front National à l'Élysée ». Et aux élections législatives, ils ont dit « mais on ne veut plus que M. Macron décide tout seul ». Voilà exactement la situation. Et personne ne doit critiquer, remettre en cause le vote qui a eu lieu lors des élections législatives. Il est très clair. En donnant une majorité relative, ils ont dit « on ne veut plus qu'il décide tout seul, comme les cinq premières années, à lui d'en tirer les conclusions ». Malgré tout, quand il invite les oppositions... Est-ce qu'on va se taper 10 minutes de Xavier Bertrand? Êtes-vous prêt, c'est à peu près ce qu'il va répondre. À prendre vos responsabilités, c'est-à-dire lui tendre ponctuellement la main. Oui, je... Non, mais je viens de vous le dire. On prend un exemple très concret. Vous avez parlé sur votre antenne, avant que je n'intervienne, des questions de pouvoir d'achat. Bien. Ouais, bon, on s'en fout un peu. Ouvrir des antennes dès octobre. Le mouvement compte ouvrir des antennes dès octobre dans toute la France avec des délégués départementaux partout pour la fin de l'année, a-t-il promis. Se décrivant comme un homme de droite sociale, gaulliste. Je savais pas. Xavier Bertrand a promis que Nous France ne courra pas après les extrêmes. Jamais. Et dira non à toute idée mortelle d'union de la droite et de l'extrême droite. Un avertissement qui peut se lire dans la course à la présidence de LR comme un refus de la ligne défendue par le très droitier candidat Éric Ciotti.
J'ai un peu de mal à comprendre la nouvelle et énième démarche de Xavier Bertrand. Je pars et je reviens, puis je repars et demain, ça me rappelle la chanson populaire de Claude François, En moins heureux, a tweeté le député des Alpes-Maritimes. Je vais pas la mettre si j'ai plus envie de me faire striker. Il y a la lumière du phare d'Alexandrie et il y a Eric Ciotti à répliquer sur le Twitter, le porte-parole, sur Twitter le porte-parole de Nous France, Jean-Didier Berthaud. Flanqué de plusieurs parlementaires, Pierre-Henri Dumont, Julien Dive, Dominique Estrosi Sassone, Xavier Bertrand avait aussi invité la sénatrice UDI du Nord, Valérie Létard, critiquant l'idéologie wokiste. Outre le social, l'ancien ministre a prôné de se battre pour l'ordre, car si rien n'est fait depuis d'ici 2027, le repli sur soi, voire des affrontements, risque de voir le jour. Abaissement à 15 ans de la majorité pénale, république des territoires, combat pour la laïcité ou écologie des solutions, l'ancien candidat à la primaire a longuement repris ses propositions de campagne critiquant l'idéologie wokiste. Et nous allons parler à ceux qui travaillent, parce qu'en France on ne gagne pas assez quand on bosse, a-t-il ajouté, reprenant son idée de prime au travail couvrant une partie des charges salariales. Quant aux retraites, je suis prêt à m'engager pour soutenir une réforme si la justice est au rendez-vous et si ceux qui sont abîmés par le travail peuvent partir plus tôt, a-t-il annoncé, appelant l'exécutif à la concertation. Voilà pour ce qui est de la droite. On a fait le tour de la droite. Non, on a fait juste le tour de Xavier Bertrand. On va faire une transition et puis on va parler de la gauche maintenant. Mais avant, réveil difficile. Ah. C'est bien, il se réveille. Donc une exclusivité de Arthur Nazari hier, parce qu'on est... Ah non, c'était avant-hier, dis donc. Pouh, le temps passe tellement vite. En fait, non, ça passe super lentement, je me fais chier, j'ai des longues journées qui sont super longues, je sais pas vous, mais moi, la déprime, ça m'aide pas vraiment beaucoup. Exclu en vue du congrès, Nicolas Mayer Rossignol, maire de Rouen, Lamia El Haraj, porte-parole du PS et Claire Fita, et 150 élus, appellent à une troisième voix. Ni fort ni Geoffroy, initiative soutenue par Anne Hidalgo et plusieurs proches de Carole Delga. Alors, de quoi on parle ? Tribune, 150 élus socialistes appellent aux refondations de la gauche. Je vais couper ça là, ça sert à rien. Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, Lamia El Haraj, porte-parole du Parti Socialiste, Claire Fita, vice-présidente de la région Occitanie, ainsi que 150 signataires appellent signent un appel à de multiples refondations et expriment leur souhait de rassembler les socialistes sur l'essentiel pour pouvoir espérer à nouveau rassembler la gauche durablement. C'est pour faire pas de jaloux, on a parlé de Xavier Bertrand, maintenant on va parler du Parti Socialiste. Alors que le Parti Socialiste doit dévoiler dans quelques jours les conditions d'organisation de son congrès, plusieurs élus du parti... Moi j'en ai rien à foutre, hein, vraiment, j'en parle parce que je me dis que c'est important que vous soyez au courant, mais rien à foutre. Plusieurs élus du parti entendent participer au futur du parti en appelant à plusieurs refondations nécessaires à leurs yeux. Ses proches, pour certains d'Anne Hidalgo, veulent mettre en avant une écologie sociale qui ne doit pas se fondre... C'est dingue, ils ont que ça à la bouche hein, en ce moment. Qui ne doit pas se fondre automatiquement dans la NUPES. Voici leur tribune. Nous sommes dans un moment de bascule. Le réchauffement climatique s'accélère dramatiquement. La guerre est en Ukraine, c'est-à-dire en Europe, et sème ses malheurs sur tous les continents. Jusqu'ici, c'est de l'enfonçage de portes ouvertes, comme d'hab. L'inflation galope, les prix de l'énergie explosent, les inégalités sociales et territoriales s'approfondissent. Beaucoup ne peuvent plus vivre de leur travail, les droits acquis sont menacés comme celui à la retraite. La violence et les haines de l'autre envahissent l'espace public et les réseaux sociaux. Ça enfonce des portes ouvertes, hein, quand même. Ces crises climatiques, sanitaires, sociales, démocratiques et géopolitiques montrent chaque jour que ni la loi du marché sur le plan économique, ni l'autoritarisme sur le plan politique, qui sont deux faces du pouvoir actuel d'Emmanuel Macron, ne sont capables d'y répondre. Au contraire, ils les aggravent. Les temps telluriques que nous vivons nécessitent de réaffirmer le besoin de vision politique, de projet global, de puissance publique, de solidarité, d'action collective, d'humanisme et d'internationalisme, avec la conviction profonde qu'il n'y aura pas de justice sociale sans écologie, ni d'écologie sans justice sociale. Une nouvelle dynamique d'espérance peut renaître. Le pire est envisageable, mais le meilleur est possible si nous prenons la mesure des changements radicaux à opérer, si nous ne nous laissons plus submerger par l'incertitude généralisée sur le devenir du monde de nos vies. Une nouvelle dynamique d'espérance peut renaître, mais ce ne sera ni en produisant l'ancien, ni en oubliant ses acquis, mais bien par une, et même plusieurs, refondations.
Ouais, non, mais... Pff. Ouais, c'est... Alors attends, c'est d'internationalisme, pas d'autoritarisme. Ah si, l'autoritarisme sur le plan politique. Ni l'autoritarisme sur le plan politique. Parce que Emmanuel Macron est autoritaire. Refondation de l'économie. Qui ne peut plus reposer sur la mainmise de la finance, la désindustrialisation, la tyrannie du court terme, la marchandisation de la société, le consumérisme au détriment de l'environnement, de la santé et du pouvoir de vivre. La social-écologie, c'est penser l'économie de la vie et prendre pleinement en compte l'utilité sociale des métiers et des engagements. C'est revaloriser la valeur du travail et défendre nos retraites. C'est jouer de tous les leviers, y compris la fiscalité, pour mettre l'argent au service de l'humain et de la nature. C'est ouvrir le chemin d'une nouvelle abondance humaniste. Refondation des rapports sociaux qui ne peuvent plus installer et creuser les inégalités devenues insupportables, ni faire primer le chacun pour soi sur la coopération, l'attente et l'ouverture aux autres, et en particulier les plus vulnérables et le soin des générations futures, les menaces des générations futures. Point. Ah. Les menaces sur les droits des femmes et la persistance des violences sexistes et sexuelles, dont les mouvements de libération de la parole continuent de montrer l'ampleur, y compris dans le milieu politique, doivent enfin faire l'objet d'un volontarisme politique à la hauteur de l'enjeu. Refondation de notre rapport à la nature et à la biodiversité, qui ne peuvent plus être les victimes des activités humaines, mais dont la protection doit être pensée durablement avec celle des femmes et des hommes. Refondation de la République pour qu'elle tienne toutes ses promesses de liberté, d'égalité, de fraternité par le renforcement et le redéploiement de ses services publics dans tous les territoires, par la priorité absolue à l'éducation, à la santé, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Par un soutien sans faille à la culture que nous considérons toujours comme essentielle, par le renforcement et l'impartialité de la justice et de sa police déployée au plus proche des citoyens, par son engagement contre toutes les discriminations, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme et l'homophobie, et pour faire vivre la laïcité partout, par l'aboutissement de sa décentralisation pour donner enfin de l'air et de la visibilité budgétaire au territoire, en co-construisant les politiques et en clarifiant les compétences. C'est une disserte d'un bacal. C'est un peu ça, on dirait, ouais. Bah, c'est un programme politique, mais c'est tellement creux. Je sais pas si je vais tout lire parce que c'est vraiment. C'est creux, ça m'énerve que ce soit creux comme ça. Attends, on va lire le truc sur la démocratie quand même. Refondation de la démocratie qui ne peut plus reposer sur un régime de monarchie présidentielle qui doit renforcer son modèle représentatif avec un parlement fort et respecté et par la participation directe et permanente des citoyens et des corps intermédiaires à la délibération. À la décision ainsi qu'au suivi des politiques mises en œuvre, une démocratie qui défend et conforte la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Refondation de l'Europe qui ne peut plus être basée sur les seuls échanges économiques, mais sur ses valeurs et son intégration politique et sociale. Les grands défis de ce siècle, réchauffement climatique, terrorisme, flux financiers, conflits internationaux, migrations, sont tous mondiaux. Nous défendons l'Europe qui se range résolument aux côtés du peuple ukrainien face à l'agression de la Russie de Poutine. En lui livrant les armes pour sa défense, en accentuant ses sanctions économiques et en favorisant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Nous soutenons une Europe de la défense. Face aux libéraux, nous défendons l'Europe sociale, celle du travail, de la coopération et des solidarités. Face aux ultra-conservateurs et aux extrêmes droites qui s'affirment en Italie, Pologne, Hongrie, Suède, nous défendons nos valeurs humanistes, des libertés démocratiques, les droits des femmes si chèrement conquis, mais sans cesse remis en cause. Refondation des relations entre les peuples qui ne peuvent plus être fondées sur la loi cynique du plus fort et les intérêts commerciaux au détriment des droits humains et de l'universalisme, comme avec l'Arabie saoudite qui massacre le Yémen ou avec la Chine qui génocide les Ouïghours. Et refondation de la gauche qui n'a de raison d'être qu'en redevenant demain l'outil politique pour l'égalité, la liberté et la fraternité, en s'imposant le droit d'inventaire autant que le devoir d'inventer. Le devoir d'inventer. En s'imposant le droit d'inventaire autant que le devoir d'inventer. Waouh. C'est beau. Bon, enfin bref, c'est le congrès du Parti Socialiste. Si vous voulez lire la suite, bah, vous pouvez retrouver cette tribune sur Discord, sur le lien qui est dans la bio. C'est pas très très intéressant, donc on va passer à la suite et on va passer à une petite vidéo mignonne. J'en ai tellement des vidéos mignonnes, je suis pas sûre que je réussisse à toutes les passer aujourd'hui. Oh. Oh.
c'est quand qu'on balaye un peu devant nos portes? Non, parce que là, ils blâment tout un tas de pays d'Europe et du monde, mais en France, on n'est pas tout blanc non plus. Bah, j'y pensais à la même chose, Colette, en lisant le truc. Je me disais, mais ils se rendent compte qu'en France, c'est pareil, il y a une montée violente de l'extrême droite, et ils ont cité la Suède, l'Italie, etc. Bon, après, en France, ils ne sont pas au pouvoir, mais ça risque d'arriver à la prochaine mandature, et ça va être un peu l'horreur. Salut à elle, on regarde tes vidéos mignonnes. Alors, on revient sur l'actualité qui fait l'actualité de cette semaine. C'est les nouveaux putschistes du Burkina Faso qui n'ont toujours pas mis la main sur Damiba, qui accusent la France de le cacher dans leur base. Ce que démentent les officiels français. On peut craindre un dérapage si les putschistes s'attaquent à la base des forces spéciales de Sabre. J'ai planifié une assaut. Combattant et combattant. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Cambouinsin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance à notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Paix à Ouagadougou, le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Intéressant aussi, mais pas surprenant, que les putschistes annoncent vouloir aller vers d'autres partenaires. Depuis quelques mois déjà, Wagner et le Kremlin tentent de se rapprocher de Damiba sans succès, le colonel ayant vu les résultats de cette collaboration au Mali. S'il est trop tôt pour affirmer que cette tentative de coup a été préparée avec un appui russe, l'apparition concomitante d'une campagne de désinformation pro-russe sur les réseaux sociaux dès les premiers tirs et les messages annonciateurs des influenceurs du Kremlin sont suspects. Tout se passe comme prévu. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est Kémy Seba qui dit « On avertissait hier le scélérat d'Amiba que ça allait se chauffer pour lui et cette nuit patatras et ce n'est que le début au soumis à la France-Afrique ». Au mendiant du néocolonialisme, vous êtes tous sur un siège éjectable si vous saviez seulement tout ce qu'on sait. Nathalie Yamb qui dit « Très bien, le plus tôt sera le mieux. Des centaines de manifestants demandent la démission du président Damiba. » Ensuite, on a Niamsi wa Cameroun wa Africa. Franklin Niamsi, une tension militaire en cours au Burkina Faso, selon les informations qui nous parviennent. Damiba, autoprophète de malheur, restons à l'écoute. Communiqué du ministère français des Affaires étrangères qui dément abriter le lieutenant-colonel Damiba. La France dément formellement toute implication dans les événements en cours depuis hier au Burkina Faso. Le camp où se trouvent les forces françaises n'a jamais accueilli Paul-Henri Sandaogo Damiba, pas davantage que notre ambassade. Après des drapeaux russes, bon... Le discours inflammatoire des putschistes a des conséquences des manifestants au cahier Institut français de Bobo Dioulasso. Là-bas. Alors, les guérites des gardiens de l'IF de Bobo Dioulasso ont aussi été incendiées par les manifestants. Donc, on voit que les guérites sont en flammes ici. Le consulat de France à Ouagadougou a attaqué par les manifestants pro-putsch et pro-russes. Bienvenue à Astonishing PA. Bienvenue parmi nous. Ah, il n'y a pas de son sur cette vidéo. Les manifestants... Ambassade de France, ambassade de France. Voilà. Voilà, la route. Voilà. Ambassade de France. Se regroupe devant l'ambassade de France à Ouaga, au Burkina Faso, et tente de briser les vitres blindées, de forcer les portes. N'arrivant pas à pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade de France, les manifestants mettent le feu à la façade. Voilà, l'ambassade. Voilà.
Incités par l'intervention des putschistes à la télévision, les manifestants continuent de cibler l'ambassade de France. Tout ça est arrivé avant-hier. On est en train de mettre le feu à l'ambassade, service des visas, plus jamais au Burkina, lance crie ce manifestant Burkina Faso. Du coup... Ambassade, service visa, sortez massivement pour la mobilisation. Plus jamais au Burkina, plus jamais au Burkina. On veut plus voir ce massacre. C'est le désir, l'ambassade en feu. Ambassade de France, on est en train de mettre le feu à l'ambassade. Service visa, sortez massivement pour la mobilisation. Plus jamais au Burkina, plus jamais au Burkina. Bienvenue Luxrev, ouais, la guerre avec la Russie se fait là-bas visiblement. À Ouaga, d'autres bâtiments représentant les intérêts français ont été ciblés. C'est le cas des bureaux d'Air France dans lesquels les manifestants ont tenté de pénétrer sans succès pour l'instant. Je sais pas où ça en est du coup depuis avant-hier. Hier soir à Ouagadougou, donc il y a 21h, hier soir à Ouagadougou, un militaire putschiste avec un drapeau russe. Très similaire à la séquence qu'on a eue en janvier 2022 et qui avait amené le lieutenant-colonel Damiba au pouvoir. Et il faut rappeler un incident très important à l'époque, donc c'était l'attaque de Iniata en novembre 2021. On a les images ici, donc c'était une attaque contre l'armée burkinabé menée par Al-Qaïda. Il y a eu plus de 73 morts et disparus. On est en novembre. Et puis... En janvier 2022, à quelques jours du coup d'État, l'État islamique pour le coup, parce que les deux groupes sont actifs dans le Burkina Faso, s'est attaqué à l'armée à Ngam. Et on voit là aussi les images, à quelques jours du coup d'État. Donc le coup d'État, quand il a eu lieu et qui a amené le lieutenant-colonel Damiba, c'était quasiment avec les mêmes revendications qu'aujourd'hui formulent les militaires qui ont mené ce coup d'État. Ça veut dire manque de moyens, l'armée n'est pas relevée et les moyens ne sont pas mis à disposition pour combattre les djihadistes. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a mené au coup d'État qu'on a vu il y a 48 heures, c'était l'attaque du convoi de Djibo. Et là, on a les images aussi. Donc, ce sont 150 camions, 90 ont été brûlés, qui essayaient de casser le blocus djihadiste d'Al-Qaïda de Djibo, qui tient depuis février. Et là aussi, on a parlé de manquement de l'armée, de moyens pas mis à disposition. Et c'était cette goutte-là qui a fait déborder le vase encore une fois et qui a mené à ce coup d'État. Il faut rappeler aussi que la situation humanitaire au Burkina Faso est très critique. 40% du territoire échappe aux autorités de l'État. On a une DLS qui montre l'évolution de la situation humanitaire entre 2018 et 2022. Là, c'est la route pour le coup. Donc, l'embuscade a eu lieu à Gaskindé. Et on va voir la DLS qui montre la situation humanitaire qui se détériore depuis 2018. Et la voilà. Donc, on voit les violences contre les civils en rouge, les déplacés internes, les triangles en vert. Et on voit que ça monte crescendo, particulièrement dans les zones où les djihadistes sont actifs à l'heure où on parle aujourd'hui. Les casernes sont vidées, mais les djihadistes sont toujours là. Alors non, Luxrev, c'est pas, je pense pas que ce soit lié à la prise de pouvoir de Biden aux États-Unis, et je suis pas d'accord pour dire visiblement le retour du bon Trump. Enfin, Trump, c'était une catastrophe pour les États-Unis et pour le monde. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on se retrouve dans la merde aujourd'hui aussi. Biden, il a fait que essayer de réparer les pots cassés, et puis il a bien du mal, mais bon. Non, Trump, c'est une catastrophe. Autoritaire de merde, c'est vraiment le mec qui sert à rien, quoi. Ah, c'était vraiment la plus grosse erreur des États-Unis, ça a été d'élire Trump. Et
Burkina Faso depuis hier soir. Notre force armée sont dans une base, dans un camp militaire qui et n'ont aucune implication dans la vie politique burkinabée. Elles sont là dans le cadre de Barkhane, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et toutes ces rumeurs sur l'accueil de Paul-Henri Damiba au sein de cette base n'ont aucun fondement. Paul-Henri Damiba n'a jamais été accueilli sur cette base, il n'a jamais été accueilli sur notre ambassade. Ce qui suit. 1. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 02, peuple du Burkina Faso. Concitoyennes, concitoyens, lorsque le 24 janvier 2022, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées nationales, avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous étions tous animés d'un seul idéal, qui est la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Peuple combattant du Burkina Faso, cette noble cause est libérée et décidée. Bon, on ne sait pas en fait si la Russie est impliquée ou pas. On peut pas dire. Ils demandent de l'aide de la Russie, mais on ne sait pas si. Voilà, il n'y a pas de route, tout est bloqué en tout cas. Voilà. L'Institut français parmi les symboles de la France qui ont été attaqués. Mobilier détruit, ordinateur emporté, la bibliothèque a été touchée. Pour l'heure, le français reste la langue officielle du Burkina Faso. De France a plus feu. L'ambassade de France a plus feu. Ambassade. Ouais. On va suivre tout ça de très près. Je vous propose qu'on suive tout ça de très près pendant les prochains lives, voir où est-ce que tout ça va aller. Parce que c'est très préoccupant, surtout pour les ressortissants français qui sont au Burkina Faso, mais aussi pour les Burkinabés, je sais pas trop ce qui est en train de se passer là-bas. Globalement, un coup d'État, c'est toujours très préoccupant. C'est triste qu'en remettant une relation postcoloniale, ces pays se jettent dans les bras des plus dégueulasses impérialistes du moment. Oui, ça, je suis complètement d'accord. C'est ça qui est le plus préoccupant aussi, c'est qu'on se retrouve avec un pays qui va droit vers une force beaucoup plus dangereuse que celle qu'il quitte. Enfin, qu'il quitte. La France essaye de partir, il me semble, quand même, de laisser... Voilà, il y a juste l'ambassade, il n'y a pas... Enfin, je sais pas, en fait. Voilà, politique internationale, c'est vraiment pas mon truc, mais c'est bien, on va essayer de s'en occuper un peu dans ces lives, essayer de comprendre certaines choses ensemble, si vous voulez bien. Si vous voulez bien. Alors, avant de se quitter... On va quand même revenir sur quelque chose de plus mignon. Plus mignon, entre guillemets. Un cheval qui a été cloné pour conserver l'espèce. C'est un clone. Un cheval de Przewalski. Alors, sabot heureux, Kurt, le premier cheval de Przewalski cloné avec succès au monde, s'épanouit au Safari Park grâce au mentorat de sa partenaire Oli. Les deux ont été introduits avec succès en 2021 et sont essentiels pour restaurer la diversité génétique dans les populations restantes de chevaux. Przewalski. Alors, vous pouvez trouver ça horrible, moi je trouve ça plutôt pas mal, parce que l'idée c'est de conserver une espèce... Merci Johan pour ces bits du cheval et clone trop mignon.
Je crois pas que Lux Rêve était au second degré. Je suis pas sûre. Mais oui, c'est des cheveux trop mignons. Des petits cris trop mignons. Et voilà. Ça fait une heure que nous sommes ensemble aujourd'hui. 1 h 5 min, mais 1 h quand même. Je vais aller vous abandonner. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon lundi. Un très très bon lundi. Ouais, c'est bien pour la race, c'est bien que ça entretienne. Voilà. Un bon lundi avec Chewy. Un bon lundi avec Loulou. Moi, je vais aller travailler aujourd'hui. Et Loulou est là, juste là. Oh, t'es trop mignon. Oh, bah oui, oh là là. Oh, petit bâillement. Petit bayou. C'est un petit bayou. C'est un gros bayou. Oh. Pardon. Je suis complètement gaga avec ce chat. Il est tellement trop mignon. Il a 10 ans, mais il est toujours aussi mignon que quand il était bébé. C'est toujours un bébé. C'est toujours un bébé. Donc, je vais vous abandonner. Je vous souhaite... et je vais vous souhaiter un bon lundi. On se retrouve demain matin pour un autre live avec d'autres actualités. On a déjà plein d'actualités et plein de vidéos Mimi, donc on a de quoi faire. Mais n'hésitez pas à revenir à venir nous voir sur le serveur Discord de la communauté pour apporter vos actualités et proposer des choses. Bonjour Wisigoth, ouais, juste à temps. Proposez vous aussi des actualités que vous souhaitez qu'on aborde, donc rejoignez-nous sur le Discord. Bien sûr, respect de tout à chacun dans ce Discord, c'est important. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Eh bien, on se retrouve demain matin. J'ai mis à jour mon agenda de live aussi, donc vous avez vu, enfin vous allez voir que je serai pas là mercredi, vendredi et samedi et dimanche. Et si vous voulez savoir quand je serai là et si je serai là, bah venez sur Discord si j'envoie un petit message pour dire « bah non, désolé, pas ce matin ». Comme ça, vous êtes au courant et vous inquiétez pas. Ça marche. Donc, je vous souhaite un excellent lundi. Et puis, je vais essayer de trouver quelqu'un chez qui vous envoyer ce matin, comme je le fais maintenant que j'ai des vidéos de départ. Donc, je fais un petit raid. Et sinon, bonne journée de travail pour ceux qui vont travailler. Moi, je vais aller travailler aussi dans pas longtemps. Je vais aller faire un peu de rameur avant d'aller travailler ce matin. C'est ma nouvelle routine du matin. Live, rameur, douche, boulot. Mais c'est marrant. Allez, je prépare le départ. Parce que j'ai même pas préparé le départ. Voilà. Ah!